C'est pas le bout du monde. Mais tout près de chez vous, sur Radio Graphite 94.9 dans la région de Compiègne. Pour cette nouvelle émission de C'est pas le bout du monde, l'émission consacrée aux musiques traditionnelles sur Radio Graphite, nous allons partir en voyage. En voyage en compagnie d'un instrument de musique qu'on retrouve un peu partout dans le monde, dans presque toutes les musiques traditionnelles, c'est l'accordéon. Et comme nous sommes au mois de mars, que cette semaine il y avait le 17 mars, la Saint-Patrick, nous allons commencer par une petite écoute d'un groupe qui s'appelle Patrick Street, avec à l'accordéon Jackie Daly. C'est une suite de reels, musique irlandaise, c'est parti! C'était Patrick Street sur Radio Graphite avec Jackie Daly à l'accordéon. Avant de continuer l'écoute musicale, je vais vous expliquer un petit peu le principe de l'accordéon. Donc, vous voyez un peu l'accordéon, c'est une boîte sur laquelle il y a un soufflet au milieu qui permet d'envoyer de l'air dans les hanches, en fait, dans les sommiers de l'accordéon. Et ensuite, on a sur la main droite et sur la main gauche des boutons. Quand on appuie sur les boutons, ça lève un clapet qui est au-dessus d'un trou, ça laisse rentrer l'air dans les sommiers, ce qu'on appelle, et sur les sommiers sont fixées des hanches libres, donc c'est des petites lamelles en métal, et quand elles vibrent, quand l'air passe, elles font un son. Voilà. Alors il y a différents types d'accordéons qu'on retrouve un peu partout dans le monde. Là on a écouté l'accordéon diatonique. Donc l'accordéon diatonique, pour chaque bouton qu'on appuie, selon qu'on tire ou qu'on
pousse sur le soufflet, on obtient une note différente. Et là, on va écouter un autre accordéon diatonique aussi, qui s'appelle le concertina. Et comme on était dans la musique irlandaise, on va y rester un petit peu, et on va écouter une suite de polka du Kerry, qui nous est jouée par les Chieftains. Voilà, c'était les Chieftains sur Radio Graphite, 94.9 dans la région de Compiègne. Alors on va continuer l'écoute de ce cher instrument, l'accordéon, et on va continuer par peut-être ce qui est l'ancêtre de l'accordéon, c'est-à-dire l'harmonica. Et là on va écouter un musicien qui s'appelle Lucien Chaput, qui va nous jouer d'abord une bourrée valse et ensuite une polka piquée. Donc ce sont des collectages en fait qu'on peut retrouver sur le disque Chanteurs et musiciens en Limousin, des enregistrements qui ont été effectués entre 1974 et 1991. Lucien Chaput, c'est à toi. C'était une bourrée valse et maintenant on va écouter la polka piquée. «
C'était Lucien Chaput. Alors maintenant, on va écouter Cyprien Domage. Cyprien Domage qui a joué de l'accordéon. Il va nous jouer une suite de bourrées. Même une bourrée, tout court. Hein. Moi, je la connais. D'ailleurs, cette bourrée sous le nom de la bourrée d'Aurillac. Là, c'est le nom Paralolou. Hein. C'est sur le disque Accordéoniste en Aubrac. Voilà. Alors lui, il nous joue de l'accordéon chromatique. Tout à l'heure, je vous expliquais le diatonique. Pour chaque bouton correspond deux notes selon qu'on tire ou qu'on pousse. Le chromatique, pour chaque bouton correspond une note qu'on tire ou qu'on pousse. C'est Cyprien Domage. Voilà, c'était de l'accordéon pour une bourrée avec Cyprien Domage. Maintenant, on va écouter un groupe que j'aime particulièrement, qui s'appelle La Talvera, un morceau qui s'appelle La Mampaliera, et c'est sur le disque Dansadas que vous pouvez le retrouver. Donc, toute une série de morceaux d'air à danser, et particulièrement sur celui-ci, où on entend l'accordéon diatonique de Daniel Lodo, La Talvera. La Montpellier a une épanne qui se rendue, tu me l'avais gourmand. La Montpellier a une épanne qui se rendue, tu me l'avais gourmand.
C'était La Talvera sur Radio Graphite 94.9 dans la région de Compiègne. On va écouter maintenant un musicien qui nous vient du pays gascon. Il s'agit de Michel Macias, donc accordéoniste, qui joue l'accordéon chromatique. Et là, il va nous interpréter un morceau qui s'appelle La Valse à Simon. Donc la valse, la danse. Et c'est un morceau qu'on peut retrouver sur l'album qui s'appelle Kai Kai Kai. Voilà, Michel Macias à l'accordéon, tout seul, on l'écoute. On va quitter maintenant le pays gascon cher à Michel Macias pour partir en Italie. Et on va écouter un musicien italien qui s'appelle Riccardo Tesi, qui joue l'accordéon diatonique bien entendu. Et on va écouter un premier morceau de lui qui s'appelle Il Funambulo, qu'on retrouve sur l'album Colline de Riccardo Tesi. On pourra entendre l'accordéon de Riccardo accompagné d'une mandole, une grosse mandoline, et d'une clarinette basse, une grosse clarinette. C'est parti, Il Funambulo. Thank you.
C'était Riccardo Tesi, Il Funambulo, sur Radio Graphite 94.9 dans la région de Compiègne. On va rester toujours avec Riccardo Tesi et cette fois-ci on va écouter un titre qui s'appelle Espresso et qu'on peut retrouver sur l'album Tapsos de Riccardo Tesi, toujours musique traditionnelle italienne, avec cette fois-ci à la clarinette, on pourra entendre Gabriele Mirabassi. On va continuer l'écoute de Riccardo Tesi avec un morceau qui s'appelle Insonia, qui figure sur l'album qui s'appelle Balmusette Italien.
Et vous allez pouvoir entendre les influences de Riccardo Tesi, notamment là le jazz qui est très présent dans l'orchestration de ce morceau, même dans le thème musical qu'on va pouvoir entendre. C'est parti, Riccardo Tesi. Voilà, c'était Riccardo Tesi sur Radio Graphite 94.9 dans la région de Compiègne. Et comme l'accordéon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voyager. On va quitter l'Italie et on va partir en Amérique latine. D'ailleurs, je vous recommande, pour ceux qui sont abonnés au magazine des musiques traditionnelles, Tradmag,
La lecture sur le numéro 124, celui donc de mars-avril, il y a un article intéressant de Claude Ribouillot sur l'accordéon, le concertina, le bandoneon, enfin l'accordéon un peu sous toutes ses formes, et sur les voyages qu'il a pu emprunter, et comment il est arrivé dans certains pays, et pourquoi tel accordéon plutôt qu'un autre dans certains pays se sont implantés, aujourd'hui sont joués. Alors on va donc en Amérique latine. On va aller en Colombie, et en Colombie, on va écouter un musicien qui s'appelle Francisco Rada Batista et qui nous joue un morceau qui s'appelle El Tigre de la Montaña. Si je traduis, c'est le tigre de la montagne. Bonne écoute avec l'accordéon colombien. Me ha gustado de tener intriga con otro que se parece a mi muerte. Nunca me ha gustado de tener intriga con otro que se parece a mi muerte. Pero viene de allá arriba, pero viene de allá arriba, pero viene de allá arriba la costumbre que debe de usarse. Pero viene de allá arriba, pero viene de allá arriba, pero viene de allá arriba, ahí la costumbre que debe usarse. Oye mi vida, oye mi malle, a mí me gusta enseñar a que no sabe. Oye mi vida, oye mi malle, y yo también perdono a que se engañe. Vallenato que se le ha metido, está me tratando tigre por ofensa. A estos vallenatos que se le ha metido, está me tratando tigre por ofensa. Deben de tener en cuenta, deben de tener en cuenta, deben de tener en cuenta. El tigre no tiene amigo, deben de tener en cuenta, deben de tener en cuenta, deben de tener en cuenta. El tigre no tiene amigo, oye mi vida, oye mi malle, a mí me gusta enseñar el que me sale. Thank you.
l'accordéon colombien. On va continuer avec, on va retourner en France, avec un musicien qui s'appelle Patrick Desaunay, qui a fait énormément pour faire avancer l'accordéon, en tout cas dans le style, fin des années 70, 80 et encore aujourd'hui. Et donc c'est une valse qui s'appelle Dimanche Matin, qui est tirée d'un album qui s'appelle de mémoire Après la pluie. Voilà, il est accompagné de son frère à la guitare, Patrick Desaunay. Et ne vous inquiétez pas si le morceau craque un petit peu, ça n'est pas votre poste, c'est tout simplement parce que on va écouter un vinyle. Voilà. C'est parti pour Serge Desaunay avec Dimanche Matin. Thank you.
Merci Serge pour cette jolie valse dimanche matin. On va continuer, cette fois-ci on va partir en Belgique et on va rendre un petit hommage à cet accordéoniste belge qui s'appelle Didier Laloy. Et là on va écouter un titre qui s'appelle S3 et qui est joué par le groupe Estrès. Donc avec Didier Laloy, cet accordéoniste que vous pouvez entendre d'ailleurs sur chaque émission, dans le générique de l'émission, puisque c'est joué par un groupe dans lequel Didier joue aussi, qui s'appelle Trèfle. Voilà. Alors en attendant Trèfle, c'est Estrès avec Didier Laloy à l'accordéon, S3. C'était Didier Laloy avec le groupe Estrès sur Radio Graphite 94.9. On va partir maintenant dans la région Poitou
pour écouter un musicien qui s'appelle Benoît Gerbini. Donc accordéoniste, vous vous en doutez, qui joue en duo, le duo Gerbini-Thébault, sur un disque qui s'appelle Les Pieds sur la Braise, et ils vont nous jouer une suite de Maréchine, donc Danse du Marais Point de Vin. J'en profite d'ailleurs pour vous signaler que Benoît Gerbini, vous pourrez l'entendre le 16 mai à Saint-Jean-Chaussée, la nuit du bal organisée par la compagnie Tourtan, en partenariat avec la ville de Saint-Just et Trad Magazine. Vous pourrez entendre Benoît Gerbini notamment, et aussi un autre accordéoniste, Yann-Loïc Joly, qui est l'accordéoniste du groupe Carré Manchot. En attendant, on écoute notre suite de Maréchine avec Benoît, c'est à toi. C'était Benoît Gerbini sur Radio Graphite 94.9 dans la région de Compiègne. Notre émission touche à sa fin. Ça va très vite, une heure. Pas le temps d'écouter des accordéons qui nous viennent du monde entier. Mais ne vous inquiétez pas, nous avons le temps. On y reviendra lors de prochaines émissions. En attendant, vous pouvez toujours réécouter les émissions sur le site de Radio Graphite et aussi sur le site de l'émission. www.cestpasleboutdumonde.com. Vous pouvez podcaster les différentes émissions, les réécouter et nous laisser un petit message sur notre boîte à lettres contact@cestpasleboutdumonde.com. Sur le site de l'émission, vous pouvez également consulter un calendrier qu'on a mis en ligne avec les différentes prestations, bals, stages de musique traditionnelle, de danse populaire qu'on peut trouver dans la région. Je signale aussi le 16 mai approche et ce sera le grand bal, la grande nuit du bal organisée par la compagnie Tourtan. Avec au programme, on va retrouver les autres, les crapauds sonneurs, bal pour enfants, Zef Orchestra et son bal imaginaire, Orfudéon et ses ballades populaires. Il y aura également un apéro-conte avec des histoires de bals qui ont été collectées dans la région, plus précisément dans l'Oise. Et ensuite, le grand bal du soir avec le duo Gerbini-Le Noir, avec le groupe de fest-noz breton Carré Manchot et le collectif de musique trad de la compagnie Tourtan, les Zigotos. En attendant, comme je vous l'ai promis, on va s'écouter un dernier morceau. C'est Trèfle. Ils nous viennent de Belgique. Dedans, il y a Bruno Lotron, il y a Wing Class,
il y a Didier Lallois et le percussionniste Stéphane Malempré. N'oubliez pas, c'est pas le bout du monde, mais tout près de chez vous. Thank you.
Thank you.